sa maison, le Père Noël en ligne. Heureusement que la petite souris est là. C'est la souris qui vient quand vous avez perdu une dent pour la remplacer par un cadeau. En plus, elle doit le 24 décembre réveiller le Père Noël. Elle arrive tout doucement. Bien, mais ça ne va pas du tout. Je suis partie n'importe comment. Ça ne va pas être facile de retrouver mon chemin. Tout est blanc à cause de la neige. Allez, dépêchons-nous un peu. Enfin, il arrive à moi.
magasin, il y a un faux Père Noël avec une barbe en coton qui se fait photographier avec les enfants. Puisqu'ils ne veulent plus du vrai Père Noël, je m'en vais. Je vais prendre des vacances. Alors, il marche, marche, marche. Il arrive à la mer. Il traverse la mer. Je ne sais pas comment, mais c'est un Père Noël. Et il se retrouve dans un drôle de pays. Thank you.
Raphaël. Il cherche partout. Toutes les mains sont vides. Sur la place centrale, il y a plein de monde. Personne ne parle. Au milieu de la place, une vieille femme raconte des histoires. C'est Mémé Boule. Elle raconte l'histoire de Julienne, la souris musicienne. Julienne, la souris musicienne. Julienne, la petite souris des champs, habitait une prairie d'herbes vertes où l'on entendait les chants les plus mélodieux. La petite souris avait de l'oreille. L'après-midi, étendue dans la prairie, elle écoutait le son de la journée. Le soir, assise sur le seuil de sa porte, elle écoutait le son de la nuit. Elle prêtait l'oreille au chant des oiseaux et des grillons, au murmure du vent et du ruisseau. Et elle fredonnait tranquillement un petit peu. Mais un jour, des hommes arrivèrent de la ville. Ils creusèrent des sentiers et firent des routes. Les voitures défilèrent. Les camions défilèrent. Ouch ! Julien n'entendit plus le chant des oiseaux. À la ville, il y avait des milliers de maisons, mais aucune ne convenait à une petite souris qui a de l'oreille. Certaines étaient trop bruyantes, les autres trop calmes. Julien poursuivit son chemin. Tout à coup, elle entendit des sons mélodieux qui s'échappaient tout en magasin d'instruments de musique. Juste ce qui convenait à une petite souris qui a de l'oreille. Julienne aperçut sa maison. Une très jolie maison avec une petite porte ronde et une belle clôture. Julienne s'installa. Puis, elle s'assit et fredonna tranquillement un petit air. Julienne aimait beaucoup sa maison. Elle aimait surtout la joyeuse musique qu'on y entendait. Le piano, le violon, le tambour et ses ratatouilles. Mais elle aimait plus encore entrer et sortir de chez elle, car lorsqu'elle passait à travers la clôture, elle en tirait de si jolis sons. Ding, ding, ding. La nuit, les passants s'approchaient de la vitrine. Qui joue ? Demandait-il au marchand de musique. Qui fait de la musique la nuit dans votre magasin ? Une nuit, le marchand de musique attendit dans l'ombre. Tout était silencieux. Julien apparut sur le seuil de sa porte. Elle se mit à jouer. Ding, ding, ding. Le marchand écouta très attentivement. Le son provenait de la guitare placée sur l'oreiller. Mais dans l'ombre, le marchand ne pouvait voir Julien. C'est une guitare magique, s'écria-t-il. Elle joue toute seule. Bientôt, tout le monde entendit parler de la guitare magique. Les passants s'arrêtaient pour l'écouter, mais personne ne voulait l'acheter. Bob entendit parler de la guitare magique. Il aimait la musique. Il aimait surtout chanter. Mais il n'avait pas de guitare pour s'accompagner. Une guitare magique ? Voilà ce qu'il me faut, pensa-t-il. Il arriva à la ville. Où se trouve la guitare magique ? Demanda-t-il. Bob trouva la guitare magique. Il acheta la guitare magique. Bob était très heureux. Il repartit aussitôt chez lui, sa guitare sous le bras. Mais, chemin faisant, Julien sortit sur le seuil de sa porte. « Ce n'est pas une guitare magique, s'écria Bob. C'est une souris magique. » Bob et Julien devinrent une paire d'amis. Bob chantait et Julien jouait de la guitare. Et on vint de très loin applaudir Bob et sa petite souris musicienne. Voyager ensemble. Je raconterai des histoires et tu feras et tu. Je donnerai des cadeaux et tu raconterais des histoires. C'est une super idée, partons ensemble. Thank you.
coucher. Oh, il ne faut pas se forcer. Voilà.